Yo tout le monde, c'est Fanta pour une vidéo PVP sur la bêta, donc je suis avec mon sacré toujours, et ce coup-ci j'ai agressé un Sadie G10 qui m'a déjà battu hier. Donc là je vais vous mettre le combat parce que hier j'ai pas pu filmer. Que je gagne ou que je perde, de toute façon vous verrez. Vous le verrez le combat. 3, 2, 1. Ouais cool, j'ai l'initiative. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant qu'hier il m'a déjà, enfin il m'a géré. Quoi, il souhaitait bon match. Bon. Donc là j'ai mis deux fuses nébuleuses, c'était obligatoire si je voulais avoir au moins une toute petite chance. Ouais, j'ai cru que j'avais oublié le trophée. Ouais, hier il m'a totalement dépopé, c'était assez sale d'ailleurs. J'ai pris tellement cher. Particularité du Sadie, c'est qu'il rock beaucoup trop. Vous allez voir, il va quasiment one shot mon Doppel. Voilà. Par chance il a pas crit au cac. Mais bon. Il va arme devant lui logiquement. Mais je vais commencer déjà par France Po. Ouais, même pas devant lui, s'en tape en fait. Je vais avancer de 2. Hop, une petite transpo. On va commencer avec une furie et un coup de cac. Donc le rock c'est dégueulasse en tour Banébu, c'est logique. Vu que j'ai déjà gros hier, il sait plus ou moins quel élément je joue, mais de toute façon que le Captain Amakma il avoisine les 40 résistances partout. Logiquement avec ce stuff il devrait avoir maximum 60, allez je dirais 67 de retrait, et encore, je suis pas sûr qu'il les ait. Là, il va je dirais caler une surpuissante ou une folle. Voilà, je vais juste avancer. Furie, furie, furie et furie. Il reste plus que 2400 vita. Là, j'ai vraiment blindé l'initiative. Hein. Je vais pas vous montrer combien j'ai, mais j'ai. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais, la folle. Après, il m'a toujours pas tapé si j'ai pas d'ânerie, donc je suis pas du tout boosté. La folle, elle va avancer, elle va me retirer des PM et reculer. Enfin des PA, pardon, et reculer. Ce que je vais faire là, c'est tuer la gonflable. J'espère qu'elle reste là. Elle va reculer, voilà, c'est logique. Ils font toujours ça, les invoques. Que je tente attirance cac, on va faire ça. Je vais aller là, on va voir si la 10 au passe. Non, que en cri, donc on va assurer le kill. Il m'a toujours pas tapé, donc je suis pas châtié. C'est pour ça que je tape que dalle. On essaie de taquer un peu histoire de le gêner. La folle qui est assez loin, donc elle va pas me cliquer des PA, donc c'est pas trop dérangeant. Et ça fait beaucoup donc dans la même phrase. Il va donnat, me libé et me poison para. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avance de 3, je peux quand même aller le spammer furé. DCC s'il vous plaît. Les seuls dommages que je fais là en fait c'est. Enfin les seuls boosts que j'ai c'est des boosts de mes furies. Donc je suis à combien? 48? Ouais, 112 de dommages en plus quoi. Ça c'est ouf. Il va Groot. Et se soigner. Putain. Faut pas qu'il fasse ça. C'est mes larmes. Ah, il peut pas mettre l'arbre à côté de lui. Il est vraiment pas fair play ce joueur. Là je dois me châtier. Je vais l'attirer. Petite furie. Et
Une autre tuerie, je pense. Ou alors une épée volante. Non, je vais faire une autre tuerie, mais ce coup-ci sur. À côté de lui. Là, je t'entoure ban et bu. Ça commence déjà à roxer tout de même. Je me suis placé là, j'aurais pu aller taper directement, mais la folle elle m'aurait cliqué 3 PA, ça m'aurait fortement gêné. Charge une sacrifiée, c'est très très bien fait. Sauf qu'il se passe mal, la sacrifiée va aller à côté de lui. Et du coup, je vais pouvoir épéter la sacrifiée. Et lui. On va dire c'est le premier misplay de sa part, et je pense que ça sera le dernier. Misplay, pardon. La folle, on va Fury, Fury et Fury. Je pourrais le tacler, mais avec un tremblement, il va se barrer. Je prendrai le clic PA de la folle, donc je vais faire me détacler ici. Enfin, je sais, je parle beaucoup, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi je fais tel ou tel move en fait. La mission de ce tour, ça va être de tuer la gonflable. Il va à l'arme, comme ça je vais prendre beaucoup de kick PM. Et état écologiste, c'est pas mal, comme ça si je tape les arbres, ça me tape aussi. Combien de PM il me reste? 3 PM, c'est parfait. Une des tours. Et là, hop. Hop. Et hop. Donc on a un tour ban et but toujours. Là, le problème c'est que la folle va me cliquer des PA. Allez, elle commence à me roxer. Il avance pour mieux me nibber, me remettre un autre arbre, je pense. S'il fait ça, c'est très très bien joué. Parce que je vais rien pouvoir faire. Groot, peut-être pour me debuff le peu de boost que j'ai, ou pour soigner plutôt, ou se pousser. Il devrait logiquement se soigner parce que me debuff pour ça, ça vaudrait pas le coup. Il faudrait au moins que j'ai 3 PM. Logiquement possible, et je vais avoir que 3 PA. Ah, fait chier. Bon, je vais attirance, un coup de cac, voir comment ça tape. Voilà. Normalement, il n'y a pas la libé dispo. 1, 2, 3, 4. Il devrait rester dans les parages. Ah, le tremblement qui est bien fait, putain, j'avais pas pensé à celui-là. Il va recharger une sacrifiée. En fait, moi j'attends d'arriver dans la zone pupuve en fait. Et là, le combat sera beaucoup plus intéressant parce que je vais pouvoir le finir. La surpuis à peine les. A même pas la peau pour cliquer les PM, ça c'est plutôt cool demain pour moi. Petit détour. Dissous. Et un coup de cac. Ça commence à être chiant pour lui là, le combat. Il a déjà calé le tremblement, il va arbre de vie, ouais putain, faut le régène. Ah la folle. Chose que je voulais éviter. Là si la sacrifiée se joue mal, je peux péter à la sacrifiée et lui. Je m'en priverai pas. J'aimerais qu'elle aille là. S'il vous plaît. Non, dommage. Là, je dois rechati.
maîtrise et cac. Je sais que je vais prendre les dégâts de la sacrifiée, mais c'est fait exprès. Comme ça m'obtient un petit peu plus plus. Je devrais prendre du 1400. Donc je serais lui, je mettrais un gros coup de cac. Une Libé, et je me casserai. Libé m'amènerait là. La sacrifiée aurait. Enfin, un, deux. On aurait pas les PM. Donc il va pas me Libé, il va rester dans les parages. Il faut que je tue tout ça gonflable de merde. Ah, c'est un combat trop chaud, beaucoup trop chaud. Putain, elle est pas teubée quoi. Pour banner lui en plus, ouais. Là, je tue une folle et une gonflable. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Le 2 coco va tomber tour prochain. Donc je vais être au petit pupu. Et ça c'est cool. Au petit pupu en tour au début. Et j'ai la cope. 1, 2. J'en aurais pas besoin. Allez, si j'ai un peu de chance, il faudrait au moins que j'esquive un petit peu. Je demande pas grand chose, à peine un petit peu. Genre, il me faudrait 3 PM. Ouais, normalement, j'esquive. Si j'esquive pas, c'est un peu abusé. Ouais, c'est cool. Donc, tourner but comme prévu. Une punition. Beaucoup trop, il a beaucoup trop de soins, c'est enfin, de soins, ouais, de soins, oui. En tout cas, très très bon sacré, très très bon sadi, pardon, je te félicite, gros. Oh là là, normalement, il me tombe au tour d'après. Double surplus entre les deux armes. Si j'ai un PM, c'est un miracle. Mais vraiment. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Si j'ai un PM, c'est un miracle. Oh putain de Doppel de merde, pourquoi tu tapes l'arbre? GG WP. Tremblement, il termine. Il a super bien joué son combat, félicitations à lui. Et puis, c'était pour vous montrer la différence entre un Sadi bidon et un bon Sadi en fait. Pourquoi il finit pas? Je comprends pas. Avec tremblement, ça passait. Ouais, tremblement, ça passait. J'ai pas compris là. Ah, le problème de ce mode, c'est à chaque fois, ouais, les folles. Le kick PM fait mal. Si je me régène, ça vaut même pas le coup. Faut quand même full rocks pour l'honneur, voir combien on le laisse. J'étais peut-être un peu trop présomptueux en voulant tanker la sacrifier. Tremblement. Finis même pas.
je retourne les buts. Je retourne les buts haut, full rocks, avec, en esquivant ça passait. 4 plus 4, ça fait. Ah non, ça passait même pas. En full crit. Je voulais profiter de l'arbre de vie. Ah, il y a le de coco encore. Je pense que j'ai pas dit mon dernier mot. Allez, j'aime Pierre. On y croit. La dissolution. Il y a des robales, con. Et une folie sanguinaire. J'ai l'espoir, mais en vain, je pense. Il va me débuff. Maîtrise caca plus. Auron s'aggro, ça suffit. Dommage! Bon, bah, c'était flanc de ça pour montrer la différence entre un mauvais Sadi et un bon Sadi. Bah, à plus tout le monde. Bye!